le chat persan, un superbe compagnon pour toute la famille. Le chat persan est connu pour son caractère docile et calme, son apparence élégante qu'il tient de son pelage angora et son port de tête si particulier qui en font un superbe animal de compagnie pour tous les amoureux des félins. Il faudra lui offrir une attention et des soins réguliers qu'il ne manquera pas de vous rendre par son affection et sa fidélité, à condition de respecter ses besoins, notamment un brossage régulier et une alimentation adaptée. Aujourd'hui, le persan est l'une des races les plus populaires dans toute l'Europe et aux États-Unis, où il est apprécié pour sa beauté et son tempérament caractéristique. Taille, moyenne à grande, 30 cm à l'âge adulte, poids, 3 à 5 kg, poil, long et soyeux, sous-poil abondant, couleur, vaste gamme de robes, unie ou non, marbré, tigré, tacheté. Color point, espérance de vie, 10 à 15 ans, durée de gestation, 9 semaines. Le persan est un chat de taille moyenne à grande, caractérisé par un corps musclé et des pattes assez courtes qui ne lui enlèvent en rien son apparence imposante. Ces chats ont une jolie tête ronde, avec de grands yeux et des joues développées, le front lui aussi est de forme large et arrondie. Il possède un édit écrasé, c'est-à-dire un peu rentré à l'intérieur du visage avec un « stop » marqué entre les yeux. Leurs oreilles, rondes et de petite taille, sont plutôt écartées l'une de l'autre et présentent un poil abondant. Le chat persan est une race très ancienne. Son histoire exacte reste un mystère car les registres ne remontent pas jusqu'à leur première origine. On sait cependant que les chats persans ont existé depuis des siècles, et que certains ont été présentés au tout premier concours de beauté félin, qui a eu lieu en Angleterre en 1871. Les standards actuels de la race ont été fixés à cette époque par les éleveurs. En effet, la race n'a pas changé depuis la première apparition du persan en Angleterre. Le persan possède un tempérament très calme, il aime la routine et craint les changements, il est donc important de le nourrir à heures régulières pour ne pas le perturber. Sa gentillesse en fait un excellent chat de maison, adapté pour les foyers avec enfants mais il est préférable de lui éviter un environnement trop turbulent. Il est important que les enfants apprennent à respecter sa tranquillité, afin de ne pas l'effrayer et à le manipuler avec des gestes doux. Les persans communiquent beaucoup avec les yeux, qui sont très expressifs, plus que par la voix, il s'agit de chats plutôt silencieux qui sauront exprimer leurs besoins davantage par le regard qu'avec des miaulements. Il est donc primordial de prendre le temps d'observer leurs attitudes. Ils adorent être en compagnie de leur maître mais aiment leur indépendance également. Cela ne les dérange pas de rester seuls parfois car ils ne sont pas de nature très exigeante, à l'inverse de certaines races comme le siamois qui est très bavard et attend beaucoup d'attention de son propriétaire. En un mot, le persan est un chat discret et facile à vivre, tant qu'on lui ménage des temps calmes et un endroit à lui où il pourra se retirer quand il le veut. Il n'aime pas beaucoup être pris et gardé dans les bras. Le persan a besoin primordialement d'un brossage régulier, afin de garder sa peau et son poil en bonne santé. En effet, leur fourrure s'en mêle facilement et il faut éviter au maximum que des nœuds ne se forment car il sera très difficile de les enlever après un temps trop long sans brossage. De plus, ils adorent le contact avec leur maître lors du brossage. C'est un moment à ne pas négliger puisqu'il permet de tisser des liens particuliers avec lui. En raison de leur poil abondant, leurs yeux accumulent des impuretés qu'il faudra retirer délicatement avec un coton imbibé d'eau tiède.
Il est aussi important de vérifier l'intérieur des oreilles de façon régulière pour éviter les infections dues à une surproduction de cérumen. Mieux vaut prévenir que guérir. On pourra les nettoyer avec des produits adaptés sur les conseils du vétérinaire. En termes de nutrition, les chats ont des besoins spécifiques, ce qui est d'autant plus vrai pour les chatons et les chats âgés. Il est très important de respecter le rythme alimentaire du persan, ainsi que ses besoins nutritionnels. On pourra se procurer des croquettes en animalerie ou sur des sites spécialisés, plutôt qu'en grande surface. Mieux vaut éviter aussi la nourriture humaine, trop grasse ou trop salée pour lui, et se restreindre à une portion de pâté par jour pour limiter la prise de poids, d'autant que le persan a tendance à l'embonpoint. On veillera à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche à sa disposition, et on préférera toujours des croquettes de bonne qualité qui lui permettent de mastiquer et de garder ses dents en bonne santé, plutôt que de la viande en gelée qui peut perturber son transit et n'entraînera pas assez ses mâchoires. L'espérance de vie du persan se situe entre 15 et 18 ans, lorsqu'il est correctement nourri et entretenu. Malheureusement, il peut souffrir de maladies génétiques et de problèmes de respiration dus à son faciès écrasé. Il faut noter que le persan est susceptible de souffrir de certains troubles en particulier. Notamment de dysfonctionnements rénaux et de problèmes de peau. C'est pourquoi il faut veiller à lui procurer une alimentation de qualité et adaptée à son âge, ce qui permettra de minimiser les risques de maladies précoces. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.